Salut à toutes et à tous, c'est Konski, on reprend sur The Little Nightmares, ou Little Nightmares plutôt, il n'y a pas de particules. Alors on doit pouvoir prendre les saucisses. Par contre, comment les faire entrer dans le hachoir? Voilà encore une autre difficulté, puisque je peux pas monter. Est-ce que je peux les lancer dans ceci? Ça a l'air d'être un genre de passe-plat, donc de monte-plat, donc... Ouais. Ouais, voilà la chambre froide. Ah, ok. On a ici une trappe avec la possibilité de faire tomber des morceaux de viande dans le hachoir directement. Cool. Ça a l'air d'être ouvert ici. Je peux aussi aller voir ce qu'il y a par là. Ok. Comment arriver ici? Franchement, j'en sais rien. Moyen. Ouais, j'arrive à mieux évaluer leur bord pour pouvoir courir. Il n'y aura pas moyen de s'accrocher. Je sais pas trop. Peut-être en sautant d'abord sur les. Oui. Tout par ici. Pas d'ailleurs. L'angle de vue est super mauvais en fait. Non, il n'y a pas moyen. Ah là là, zut. Après, peut-être qu'on peut y arriver par... par cette pièce-ci. En passant par le haut, par là peut-être. Quelque part par là. Dans la mesure du possible, j'ai envie de sauver les lutins, mais c'est pas non plus... non plus indispensable. J'ai pas bien capté ce que je devais faire ici. Il faudrait que j'attrape le... Ah ok, on peut peut-être faire bouger le crochet le long du tuyau. Non. Non, ça bouge pas. Ok. Voilà un. On va peut-être déjà commencer par voir comment faire... comment ouvrir la trappe. Ce sera une première chose. Alors, à mon avis, on doit l'ouvrir par le bas. Ça va être peut-être le... Comment dire, le truc à tirer ici. Voilà, ok. Pour en mettre plus pour pouvoir faire une longue saucisse, je pense. Il faut continuer, donc je vais retourner.
Pour le lutin, on verra plus tard. On verra plus tard si je finalement si je le, j'essaie de le faire ou pas. Bien regarder en haut si je pouvais en trouver d'autres. Je vais tirer le banc pour pouvoir sauter plus haut, il n'y a pas moyen. Il n'y aura pas moyen, c'est trop lourd. Ça non plus. Voilà, il y avait celui-là. Je sais pas de quel type de d'animal ça vient ça, mais en tout cas c'est pas des petits enfants. Hein. Donc l'origine de la chair n'est pas exclusivement des petits enfants. D'ailleurs il y a, on le voyait dans la cuisine, il y a des requins, ce genre de choses, ce qui confirme bien qu'on est sur, et des poissons, ce qui confirme bien qu'on est sur un bateau ou un élément flottant en tout cas. A priori j'ai fait ce que je pouvais, je peux encore retourner une fois voir en haut, mais ce qu'il y a c'est que là à droite il y a une ouverture et on pourra peut-être servir ceci pour y arriver. Et je crois que c'est la suite, donc si je veux faire le lutin, je vais avancer un peu, mais je pense que je, par ici ça n'aidera pas. On va quand même retourner réfléchir un peu. À moins que justement... Il était beaucoup plus haut le lutin, donc je crois pas qu'aller par ici va vraiment aider. Aller par les crochets, en tout cas jusque là-bas, ça semble compliqué. Je suis même pas sûr qu'il y a une... Je peux tirer ça, non. Je suis même pas sûr qu'il y a une possibilité de passer par le haut. Il doit bien avoir un moyen d'y arriver. Peut-être sauter à gauche et m'accrocher. Ah, j'y arrive pas. Il y a un truc qui m'échappe. Vous avez une idée, moi je suis
preneur, mais là... Oh! Ok, peut-être que je peux... Je peux rien faire avec ça, malheureusement. Ressauter par ici? Non, pas moyen. En même temps, le lutin, il a l'air complètement crevé, en fait. Il bouge plus, sa poitrine ne soulève pas, il respire pas. Je crois qu'il est mort, en fait. C'est peut-être juste du décor. Je vais le considérer ainsi, parce que j'ai pas d'autre idée, donc... Allons-y. Et on continue. Déjà des endroits pour se cacher, ça fait un peu peur parce que j'ai bien peur qu'il y ait quelqu'un qui arrive. Pour l'instant, tout va bien. Zut. Je tombe quand même quasiment systématiquement dans le panneau la première fois. C'est vraiment... J'aurais pu déjà me dire que j'allais préparer à revenir par là au cas où. J'ai rien à faire en fait ici. On peut passer par le haut là-bas.
Qu'est-ce qu'il fait là? Il goûte avec son doigt, je pense, le sang. Donc j'ai dit une fois que les chandelles, etc., c'est des points de sauvegarde, en fait c'est pas le cas. Je pense que oui, je suis d'accord avec l'un des commentaires qui a été laissé, c'est-à-dire que c'est... quoi que ça sauve quand même, regardez, il y a l'œil qui se met. Mais ça sauve pas le point de sauvegarde comme l'endroit où on se réveille quand on meurt, c'est plutôt sauver le fait qu'on ait trouvé ce... et allumer cet objet. C'est des petits défis en plus, arriver à passer à tous les endroits à allumer, je suppose. Alors passer par au-dessus, ça risque d'être compliqué, je pense quand même là. D'accord, il y a une clé. Une clé, il y aura une porte avec la serrure plus loin. Je vais toujours avancer pour voir un peu ce qui se passe plus loin. Peut-être qu'il va bouger. J'y crois pas trop, mais peut-être. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oh, c'est un broyeur, je pense. Je suppose que si je le lance, ça va l'attirer. Il va vouloir venir voir ce qui se passe. Et alors on pourra prendre la clé peut-être. Là ou quoi? Hé hey, il peut... Oh, ah dommage. Par contre j'ai pas capté, enfin la clé elle ouvre quoi? La clé, elle ouvre quoi? Reprendre l'ascenseur peut-être à ce moment-là. Oh merde! Zut, je me suis trompé. Ok, je me souvenais plus qu'il y avait une porte là, mais c'est cool. Oh merde, le v'là évidemment. Oula, oula. Ouh, je suis pas bien caché. Thank you.
Bon. Par où aller maintenant? Aucune idée. Bon, ça c'est la poubelle. Je ne peux pas. Oh, d'accord, ok. D'accord, mais comment repartir maintenant? On va peut-être se faciliter la tâche finalement en étant passé par le bas. Ouais, ok, d'accord. Oh merde. Je crois que j'ai bien fait de pas m'arrêter au premier arrêt parce que là j'étais probablement mort. Eh merde. Oh, il m'a pas vu. Qu'est-ce que j'ai fait exactement en tournant ça? Je sais pas trop. On peut passer par le haut là où les crochets passent. J'y arrivais à monter. Est-ce que... Je pense que le levier c'était pour mettre en route la chaîne des crochets. Je pense qu'il devait pas être mobile juste auparavant.
Attention, il y a un piège à souris là. Il y a juste un piège à souris là. Ah, pourquoi je sais pas monter? Je suis caché. Heureusement pour moi, ils ont vraiment une très très mauvaise vue aussi ceux-là. Je vais tenter de le suivre parce qu'il faut... Faut que j'aille par là, rien à faire. Oh là là. Pas monter au-dessus des... Je vois pas où je dois aller pour prendre les crochets, ça m'ennuie. Peut-être simplement revenir par ici. Et monter là par exemple. Pour l'instant ça le fait pas trop mal. Ouais, pas mal. Ok. Faut pas louper le saut évidemment. On va même faire plutôt comme ça. Quelle horreur. Il devrait arrêter le... couper le levier en fait. Hein. Oh merde. Merde. Oh! 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 Ah, ils sont à deux, mais ils sont trop bêtes. Ils vont abandonner. Ils savent plus où je suis là. Je suis en berlifi côté les pinceaux déjà. Est-ce que je peux aller là? Non, là je suis coincé. Allez. Les ordures. Excellent. On se quitte ici pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes pris comme moi par l'ambiance. Et on se retrouve très bientôt pour la suite.
Salut à tous.